C'est une belle histoire, c'est une belle histoire familiale. Hein. C'est un beau challenge aussi. On avait décidé de ne pas faire ce que les autres faisaient. Je ne sais pas si c'était une bonne idée, mais si, en fait, en définitive, on est super contentes. C'était de la mozzarella, parce que c'est un de nos fromages préférés. C'est presque la base de notre alimentation. Donc, on voulait faire de la mozzarella. Et puis, en même temps, bah, la gamme s'est étendue. On fait du gouda fermier, on fait de la tomme, on fait de la faisselle, enfin, plein de belles choses. Voilà, on s'éclate, quoi. On peut trouver du beurre de tofu, du beurre de micelle. On peut trouver la malinotte, qui est un type de concoyote. On peut trouver des fromages frais assaisonnés à toutes sortes de goûts. On est plus sur du sucré salé pour la plupart. On peut trouver un petit fromage affiné qui s'appelle le petit malin, de la crème fraîche, de la faisselle, de la confiture de lait et du riz au lait. D'avoir repris l'exploitation, d'avoir créé un plus à l'exploitation familiale, et je suis contente de faire vivre tout ce que mes grands-parents ont commencé et mon père a essayé de continuer de faire vivre. C'est une belle histoire, c'est une belle histoire familiale. C'est un beau challenge aussi parce que sur l'unité de production, on fabriquait du lait. Enfin, nos vaches fabriquaient du lait, produisaient du lait. Et d'un seul coup, on s'est dit, mais le cœur du métier, c'est quand même de nourrir les gens. Donc, il fallait se réapproprier le savoir-faire, se former. Et puis, en même temps, s'ouvrir à de nouveaux métiers, devenir commercial, marketing, du marketing, de la gestion d'équipe, etc. Donc, voilà, sacré challenge. Oui, d'accord, on a deux races différentes. On a des Primochten et des Red Holstein, mais c'est la même race. Ouais. Et on a des Jersey. Jersey. Tu vois, celle qui est couchée. En fenêtre, ouais, là-bas.